pourquoi vous pleurez, maman? Why are you crying? Vous pleurez pourquoi? Why are you crying? Hein? Pourquoi vous pleurez? Why do you cry? Parce que maman marche déjà. Elle marchait déjà. C'est pour ça que vous pleurez. Wow. Elle ne marchait pas depuis combien de temps? For how long was she? Depuis décembre que j'ai mal aux pieds. Wow. Since et maintenant vous marchez. And now you're working. Non, c'est elle qui me tenait. C'est elle qui vous tenait. Oui, parce she was the one holding you. Quand je venais, c'est elle qui me tenait. Elle vous tenait. Oui, oui. Maintenant elle ne vous tient plus. Now she's no longer. Marchez que tout le monde voit. Qu'est-ce que ça vous fait? What does it do to you? Papa, quand je suis arrivée, c'est ma fille qui me tenait. Je ne marche pas depuis décembre. Wow. Depuis décembre. Maintenant, vous êtes contente? Je ne sais même pas ce que je peux dire. C'est même pas une question à poser. Nous tous, on a vu que je vous êtes très contente. Je ne sais même pas ce que je peux dire. Alors, allez raconter à votre famille. Go and tell your family. Que le Jésus que vous servez est vrai. Il est bien vrai. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est bien vrai parce que quand je suis arrivée, même à soir, les fesses n'acceptaient pas la chaise. Wow. Ma position, c'est où je suis couché. Seulement, c'est là où je me sens un peu mieux. Quand je suis même arrivé, il y a mon pain qui était par terre. Là, j'étais couché. Wow. J'étais couché. C'est après que j'ai ressenti, j'ai d'abord essayé et que je peux déjà m'asseoir. Je m'assois, je ne sens plus mal. Les fesses refusaient la chaise. J'étais déjà assise, ce n'est plus assise, j'ai d'abord fait le premier tour dehors. Je devais aller me mettre à l'aise. Je sens comment, parce que le pied pesait. Oui. Soulever, c'était un problème. Ça pesait. Et il y avait comme si c'était un verre qui montait, ça me piquait au niveau du bas-ventre. Oui. C'est quand la prière a d'abord commencé que j'ai senti comme si quelque chose lâchait au niveau du bas-ventre. Puis wow. Ça me piquait jusqu'ici. C'était l'onction de guérison qui oui, me touchait. Oui, ça me piquait jusqu'ici. Le deuxième tour que j'ai encore fait dehors, je sens vraiment comment le pied devient un peu léger. Wow. Tout à l'heure, là, quand vous aviez commencé à prophétiser sur le frère qui était devant là, c'est là où je ressens, étant assise, que je fais mon pied, c'est léger. Ça ne pèse plus. Quand je vous demandais que les gens qui ont ressenti la guérison, je dis à ma fille que c'est comme si mon pied, si je peux me lever et marcher. Elle me dit vrai, maman, elle dit vrai. C'est comme ça que quand je me lève, je sens comment mes pas reviennent normalement comme j'étais. Jésus, voyez! Oh, yeah! Jésus-Christ, voyez! Oh, yeah! Maman, allez raconter à votre famille ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Je ne cesserai. Que Dieu vous bénisse. De raconter le miracle que j'ai eu ici aujourd'hui. Amen. Et c'est ma première, la deuxième fois. C'est la première deuxième fois. C'était au palais de congrès le mois passé, le 29. Wow. Oui, c'était la première fois.
toujours causé du bien. Que Dieu vous bénisse, maman. J'ai toujours gardé espoir. Amen. J'ai eu l'huile de faveur. J'ai eu l'eau de ointe. J'utilisais ça à la maison. Je disais toujours à ma fille que le jour que je vais arriver en Kwaba, la pluie m'a tapé ici en route jusqu'à. Maintenant, est-ce que ça vous a le tapé pour rien? Maintenant, vous allez rentrer avec la solution, non? J'ai dit que plus je vais arriver là où j'ai décidé d'aller. Wow. Je suis parti d'étudier à Accra pour toi-même. Tu as bravé la pluie. Que Dieu te bénisse. Ok, maman, que Dieu vous bénisse. Félicitations.